enough is enough. Et le commentaire général qu'il nous fait, c'est qu'il est décevant. Si mettre où ou bien mettre où tu vis, tout seul, d'être là ensemble avec sac leaders de ce parti politique là. Dis-moi, avec qui ça là vous plus sentir-vous en sécurité? Pas première élection partielle. Je ne condamne pas contre le 22 décembre par le même mot par lui-même. Moi, mettre l'imposte au défi. Garde sa parole, si tu as parole lors de l'élection partielle, dans les mots recettes. T'as pour connaître que le bout de tout toi, là-bas même, dans sa conception, de papa. En trois mots, moi bien sûr que je pense très sincèrement du budget. Observez-moi aussi trois R, réchauffer, recycler, rater. C'est un budget rassis, un budget réchauffé, un budget microwave. Et le commentaire général qu'il nous veut faire, c'est qu'il est décevant. Qui est capable de dire aujourd'hui qui a ses conscriptions au numéro 18, c'est ce bastion. Les 80% de nos bandes militants, face à un choix, une équipe menée par Pravin Jagnauth et une équipe menée par Navin Ramgoolam, fin opté pour Pravin Jagnauth. Le bureau exécutif du PMSD a fait joindre ce soir pour nous valider, donc ratifier à l'unanimité l'alliance du PMSD avec le Parti Travailliste et le mouvement patriotique de Atma Bama et Jean-Claude Barbier. Nous avons pour finir, travail là pour finir, et la pause événement de région, quand nous s'arrêtons pas d'amélioration. Ma citoyenne, mes amours, mais nous devons accélérer, chaque jour, chaque événement, nous devons accélérer. Le Premier ministre, Anirudh Kumar Jagnauth. Donne-moi une majorité totale dans les 20 circonscriptions où vous avez voté soleil carré carré. Vos familles et moi pour tout le temps reconnaissant Ban Ki-moon Trigonier Pampelous. C'est vrai qu'on choisit pas dans les numéros 10 cette fois-là. Côté 16 ans, tu prends l'essence. Et mon but, c'est que je me l'éclaire pour toujours en jeu. C'est tout vos causes pour Sakil Mohamed. Moi, pas les causes plus qui ça le dit. Parce que franchement, quand vous êtes comme vous êtes, vous avez vomi, moi. C'est que tout le monde a fait un devoir civique, a voté. Et vous n'avez pas besoin de dire qu'il de bien sûr pour continuer développement, progrès pour le pays. Le droit d'entrée, le droit élément, il y a quelques temps. On a plusieurs éléments de tentation de fraude à l'attention publique. Même dans mon circonscription numéro 10, dans le numéro N, dans plusieurs dans le numéro 8, on est tous sur une tentation là. Plusieurs affaires arrivées. Il y a des gens qui votent dans parce que des Des
en même temps nous dire au gouvernement pas gouverne dans l'arrogance. Ce gouvernement-là, il est élu avec seulement 37% de l'électorat. And their true allegiance. To worship according to law. I, Nankuma Buddha, being appointed minister, do swear that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the president for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further, truly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister. And that I will not accept with the authority of the cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister, or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be true and faithful. Quand PAD, ça qu'on a accepté PAD. Bon dia, le commissaire électoral qui m'a convaincu. Dépose l'original du document. L'original du document est là. On a remarqué qu'il y en a beaucoup de monde qui pose une question et me clarifier certaines choses. La personne qui vient de moi, ça ne m'a pas connu, pour me dire. La personne s'y perd, la personne s'y effrayée. Ni pas envie de donner son nom et ni me fait demander son nom. Sinon, il ne pourrait mettre moi le document. Hi, Sourjdé Fokir. Do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I am deeply honored to have been elected Deputy Speaker by this August Assembly. Je pense que je finirai les bonnes faits assez troublants pendant les récents, l'élection générale, et maintenant on a beaucoup prononcé. Je suis bien ému, je suis bien content, je suis bien fier. Qui m'a réussi quand même, gagne l'honneur d'être le 7e président de la République. Et pour moi, quand même, c'est une grande affaire. Il y a beaucoup de travail derrière et j'espérais que de pouvoir le pays avancer comme on nous souhaitait. Pour l'Espagne, le gouvernement qui vient faire le choix et aujourd'hui le Parlement qui vient de voter. Pas pour mettre un aspect politique aujourd'hui dedans, mais nous reconnaître qu'il y a une bonne responsabilité.